Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Earth of Iron 3 avec la Turquie. Moscou qui s'approche, hein, mais comme je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, c'est pas encore fait. Il nous reste du chemin à parcourir et des combats à mener. Moi, le but maintenant, c'est de prendre le maximum de villes avant que Moscou chute, puisque assez logiquement, c'est les Allemands qui vont récupérer toute l'URSS, puisque ce sera eux les premiers arrivés à Moscou, évidemment. Ce sera certainement pas moi. Ça, c'est clair. Allez, sérieux. Ils font de la résistance, eux. Alors, un peu d'industrie. Pristène encore, sérieux. Ils vont me l'attaquer combien de fois, cette ville? À chaque fois, ils se font un peu plus pressants. Oh merde, là, j'ai carrément perdu. Je suis à zéro d'organisation. Il va falloir que je contre-attaque avec eux, là, mais ils sont un peu seuls. Ouais, j'étais obligé de fuir, hein. Sinon je vais avoir des soucis d'organisation. C'est pas grave. Cette province était difficile à tenir avec trois armées russes autour de moi. Mais bon, je reviendrai, évidemment. Ce que je pourrais faire, c'est ramener des renforts. Échanger un peu les rôles. Non, trop tard. Je me fais attaquer sur Koursk. C'est où Koursk déjà? C'est là, ouais. Bon, 11%, c'est pas terrible, j'avoue. Faut pas qu'il mette à l'usure. Là, ça va. Je pense que ça va. Surtout que là, c'est moi qui vais passer à l'attaque. D'ici peu de temps... Ah putain, là ça fait beaucoup je trouve. Ah putain. Ouais, faut que je les fasse céder à tout prix. Ok. C'est pareil, maintenant c'est celle-là qui est un peu fragilisée. Elle a trois provinces sur le dos là. Ça fait beaucoup, j'avoue. Ouais, je les trouve plus à l'attaque qu'il y a quelques semaines. Ça m'inquiète un peu. Je vais aussi passer à l'attaque parce que faut pas que je les laisse continuer comme ça. Et là, et voilà, ils en profitent. Bande de chiens. Bon, d'un autre côté, j'ai déjà gagné cette bataille, donc là, je vais me défendre. Ok. Alors, de métaux, pourquoi pas. Donc, je sais plus trop où attaquer. Je dois pouvoir attaquer ici. Ouais, c'est pas génial, mais ça devrait le faire. Ouais, surtout que la première unité, là, c'est une troupe d'élite et elle résiste quand même pas trop. J'ai un général niveau 6, là, quand même. Ça vaudrait le coup que je le mette un peu plus élevé dans la hiérarchie. Là, j'ai un 5, par exemple. Là, j'ai un 6. Bon, pour l'instant, on va pas trop toucher à la hiérarchie, hein. Le problème, c'est que quand on enlève des leaders, on perd de l'organisation. Enfin, quand on met les leaders, on perd de l'organisation. Donc, en plein milieu des combats, c'est peut-être pas trop le moment. Oh, là, je le sens mal. On va se faire attaquer par tout le monde. Ouais. On se fait attaquer par cette province-là, par celle-là. Donc, ça va me donner l'occasion de me défendre. Voilà, c'est bon.
Et cette province-là va être difficile à tenir. Hein. De l'autre côté, ça va les obliger à se bouger. J'ai envie de continuer en fait. Ils m'ont un peu forcé la main à attaquer. Donc j'ai envie de continuer. Ouais, je pense que ça va le faire. C'est eux qui m'ont un peu obligé à y aller. Où est-ce que je me fais attaquer? J'ai pas vu. Ouais, c'est là, hein, ça va être chaud là. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à continuer avec l'aide des Allemands? Ouais, c'est bon, c'est passé. Là, je vais pouvoir attaquer. On va se rapprocher de cette ville. Ouais, Pristen, on va de nouveau avoir un problème. Déjà, la première fois, on n'a pas réussi à le tenir. Pristen, elle peut être attaquée sur trois fronts et les unités n'ont pas beaucoup d'organisation. Donc, j'ai peur pour cette ville, pour cette province. Alors, là, c'est de la cavalerie en face de nous. Les Allemands encore, utilisent encore de la cavalerie sur le front, quoi. C'est pas très compréhensible. Ok. Ouh là là, c'est quoi cette attaque là? Ouais, là c'est le problème de Pristen, c'est que ils sont très fragilisés avec trois fronts possibles. Voilà, donc là déjà j'en ai retiré deux, mais il reste celui-là. Non, je vais pas tenir, hein. Faut que de nouveau que je m'en aille. Il va falloir que je prenne cette province, je crois, pour assurer Pristen. Sinon, je la tiendrai jamais, en fait. Donc ça, c'est une amélioration pour les avions. Et merde, je suis en déroute, là, j'avais pas vu. Je suis obligé d'échanger les unités. Pourquoi je suis à 65 tout d'un coup? Je pense qu'il a eu des renforts. Ouais, ça vient de Dol. Ça vient du même endroit. Hein. Ouais. J'aurais bien besoin de renforts moi aussi. Ouais, faut pas que cette province tombe. Alors maintenant, faut qu'elle rentre en combat. Hein. C'est pas gagné. J'ai pas les 5% de bonus encore. Je les aurais, mais pour l'instant, c'est pas fait. J'ai perdu. Toutes les troupes sont en déroute. Heureusement, les renforts arrivent. Je pense que celle-là, elle va tenir si elle arrive en premier. Par contre, je me fais attaquer ailleurs. J'ai pas regardé. Ok, c'est bon. Donc là, je suis arrivé à temps. Et normalement, je devrais tenir. Ouais. Mais cette province est difficile à tenir. À tenir, ouais. Non, là, ça va être bon. Oh merde, j'ai oublié de renforcer depuis pas mal de temps. Ouais, c'est parti. Accepté. Là, j'ai fini par gagner. Je vais répartir les unités qu'on fuit. La plus mal en point, je vais la mettre là, puisque l'autre, elle est en bon état, je pense. Ouais, celle-là est bien. Et par contre, celle-là, je vais lui faire faire demi-tour et la remettre à sa place. Voilà. Pour répartir un peu les unités mal en point sur toutes les provinces. Ok, là, c'est parti. À travers une rivière. Terrain, moins 25%, ouais. Un peu dur. Hein. Ouais, je pense qu'on passe quand même. Hein. Je crois que je vais pouvoir remettre mes avions en jeu.
J'en ai des tout nouveaux, je pense que j'en ai réparé aussi pas mal. Ouais, c'est toujours pas ça, hein. Souvent je coupe les réparations, donc c'est sûr que ça n'avance pas très vite. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on va les mettre à Kharkov. Ah, ils sont saoulants. Je vais y aller là pour de bon. Cette fois, je m'arrête plus. Accepté. Ouais, j'ai dépensé toute ma maigre réserve d'effectifs qui est passée en 2 jours, même pas. Donc, eux restent là. Et on va de nouveau essayer de remettre cela sur Pristen. Ça fera jamais que la troisième fois, je crois. Ok, là c'est bon. J'ai quand même essayé de mettre mes chasseurs, faire de la domination aérienne. Parce que je vois qu'il y en a un petit peu partout. De l'interception, pardon. Tout à l'heure j'en ai vu, évidemment maintenant que je suis là il n'y aura plus personne. Je les ai un peu loupés, je crois. Merde. Alors ça je sais pas quand c'est que ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas les Italiens se sont fait balayer de la carte, hein. Même ici c'est ça qui est marrant, c'est que là il n'y a plus rien pour les arrêter, mais ils avancent pas. C'est une catastrophe. Les Anglais ont bien avancé quand même en Inde. Les pauvres Perses, ils ont fort à faire avec la Russie. Difficile hein, pour les Perses. Ouais, pour les Italiens, franchement, il ferait bien d'être du côté des Alliés, que ça changerait pas grand-chose. Alors, j'ai quand même l'impression que les Allemands marquent le pas. Ah non, non, non. Ils s'approchent. C'est juste que moi, j'ai avancé aussi assez vite. Du coup, là, je peux plus avancer parce que si je vais plus loin, les Allemands me couvrent plus. Ah, ça, c'est cool. Un bon bonus, j'espère. Je vais faire les 2 bonus de médecine pour limiter l'attrition et les pertes. Ça a l'air de passer difficilement, mais ah, sauf si je me fais attaquer en même temps. Ouais. Non, je préfère attaquer, arrêter. Parce que là, on va être juste CI plus 8%. Honnêtement, pas très important. On va être obligé de faire demi-tour encore. J'en ai marre. En tout cas, là, on va passer, je crois. Je continue ou pas? Ce problème, c'est que là, on va être obligé de faire demi-tour. Ok, là, c'est bon. Là, eux, ils arrivent dans combien de temps? 32 heures quand même, ça fait long. Ah, j'étais obligé de faire demi-tour, hein, de nouveau. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Bon, après ils avancent pas plus que ça, hein. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils soient très agressifs, mais. En tout cas, là, ils m'ont bien stoppé. Ok, là c'est pas mal. Sauf que j'ai qu'une unité qui se bat, je sais pas pourquoi. Elle va pas pouvoir rester là toute seule, putain, non, je suis obligé d'arrêter. Ah, ça m'énerve. Ça fait plusieurs fois que je suis obligé de tout arrêter là. La sauvegarde est de plus en plus longue, faut que je me méfie.
Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Je crois que je vais arrêter de demander l'aide aux Allemands dans l'immédiat. J'ai plus trop de besoins. Donc, je vais les laisser utiliser leur infanterie. Ça va leur rendre une trentaine d'unités. Ok, ça a géré. Je vais essayer de les replacer un petit peu. Bon, j'aimerais bien que les Allemands avancent là, que je puisse moi aussi avancer en même temps qu'eux. Je peux difficilement prétendre avancer devant eux. Ben là, il n'y a plus personne devant nous, quoi. Mais j'ai pas d'unité. J'aimerais bien y aller, mais un peu chaud quand même. Ça passera pas. J'ai pas de leader là, j'aurais bien fait un peu d'expérience, mais. Ouais, voilà. Ils ont tout de suite arrêté. Et là, il n'y a plus personne devant nous, c'est pareil, j'irais bien, mais. C'est un peu un piège, hein, d'avancer à cet endroit-là. Ou alors, il faudrait que je décale mes unités. Il faudrait que je les décale comme ça, mettre deux unités ici. On va tenter ça et voir si ça peut tenir. Mais bon, prendre une province sans se battre, évidemment, c'est toujours intéressant. Et merde, il y a du monde, évidemment. Ouais, par contre, ils vont pas tenir longtemps. Bah, c'est tout bon ça, parce que du coup, Pristen sera beaucoup plus facile à défendre comme ça. On va tout de suite attaquer ici et ici. Et je pense ils vont fuir. Ils vont même pas attendre de perdre toute leur organisation. Et pourquoi mes chasseurs ne sortent pas là? J'ai vu qu'il y avait des bombardiers ennemis. Peut-être que j'ai défini une zone trop grande pour eux. C'est vrai que j'ai pas. Normalement, là, ils sont juste à côté, donc s'ils les voient passer, ils devraient y aller. Ça m'étonne, pourtant on les a vus. Ok, je vais avoir trois unités sur cette province, on va pouvoir repartir de l'avant. C'est bien, efficacité des recherches, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que on est en retard ou pas? Non, on est en avance, donc je vais arrêter. Il est hors de question de dépenser 100% de malus, là c'est beaucoup trop pour moi. Hein. Je fais pas assez de science pour me permettre d'avoir ce malus. Ça, je peux le mettre à zéro. Ah, j'ai l'impression que les Allemands vont avancer. Enfin. Du coup, je vais pouvoir faire pareil. Allez, c'est parti. En tout cas, ici, je peux attaquer maintenant. Ils vont pas rester ici, ils sont encerclés. Ici, je vais essayer d'attaquer. Ici aussi. Prochain objectif, Voronets. Ah, j'ai tout gagné d'un coup là, ça me surprend. Là, je les vois mal me battre, on a deux unités sur place. Là, je vais tout de suite attaquer parce que on a affaire à de la cavalerie. Sauf s'il y a autre chose qui est arrivée entre-temps, mais je crois pas. Merde, par contre c'est un peu chaud. J'étais obligé quand même d'arrêter parce que cavalerie ou pas, je me prends quand même une attaque sur le flanc. Je vais essayer de tenir un petit peu. Le but c'est quand même de prendre Oletz aux Allemands. Si c'est possible.
Là, faut que j'attaque. Là, faut que je soutienne. Oh, c'est quoi ça? Ah putain, j'ai rien par là, moi. Oh, bordel, c'était pas prévu ça. Je vais essayer de les retarder en amenant toute ma cavalerie. Mais j'avoue que là, ça peut très vite devenir embarrassant. S'il n'y a pas de navire italien qui passe dans les parages, je suis mal. J'ai toujours la possibilité de ramener mes troupes de Crimée. Faut que je regarde ça. Ce que je peux faire, c'est ici reculer. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il faut mieux que je réagisse tout de suite parce que un débarquement comme ça, ça peut être très très chaud. Ok, donc là, je pense qu'il passera plus. Et merde! Oh là 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 là! Comment il a débarqué tout ça d'un coup? 10 divisions d'infanterie. Ah, je vais me faire balayer là. Ah, ça c'est un vrai débarquement comme on n'en voit pas souvent. Hein. Comment il a transporté tout ça d'un coup, quoi? Merde alors. Bon. Ah bah du coup, mes navires se sont fait virer de chez eux en plus. Ah bah tout va de travers. Ouais, du coup j'en ai perdu deux. Et c'est vrai que je les avais déposés à Athènes. Bon, alors, le problème c'est que ma cavalerie va pas servir à grand chose dans ce cas-là. Faudra que je ramène plus d'unités que ça. Hein. Là, je pense que je vais être obligé de m'arrêter ici. Comment je vais faire? Il va falloir que j'arrête mon offensive et que je parte me défendre, je pense. Et que je laisse les Allemands finir. Je pense que maintenant ils n'ont plus besoin de moi, mais. On va se regrouper. J'ai quand même essayé de prendre des positions un peu plus facilement défendables. Pour économiser des unités principalement. Celle-là peut aller là. Ok. Je vais arrêter l'épisode ici. Je vais devoir ici prendre une unité à chaque fois. C'est pareil, là j'aimerais bien. Non, je vais d'abord attaquer ici. Ok, ça je peux le bouger. Ça je peux le bouger. Là je vais envoyer qu'une seule unité. Là je vais en enlever deux. Oui, ça va être compliqué hein, parce que vu le nombre, ils vont aller très très vite. Faudrait pas qu'ils rendent à la Grèce son territoire. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'espère que mes alliés vont venir m'aider. Ouais, on va voir. Là par contre, j'aurais dû aller à cet endroit-là, c'est plus facilement. Non. C'est bien comme ça. Là, on va se donner rendez-vous ici pour l'instant. Ok, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.